faire. Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tout simplement reconquérir le cœur de mon ex. Je lui reparle depuis quelques jours. Et comme en ce moment, il y a la mode, le lyrics pranks. Donc je me suis dit, c'est parti, là, faut que je tente ma chance. On va aller reparler à mon ex. Donc tout simplement, le but aujourd'hui, c'est de la reconquérir, ou plutôt la troller, voilà, comme vous voulez, avec des phrases de rappeur. Donc j'ai pris du Mister You, du PNL, du Booba et du Johnny Hallyday. Bruh. Vous avez kiffé la première batterie externe que j'ai fait gagner, donc je vous en fais gagner une deuxième que j'ai reçue par Easy ACC comme d'habitude. Voilà, c'est une marque qui m'envoie des petites batteries externes quand ils se font chier. Oh, j'espère qu'ils verront pas cette vidéo. Si tu joues à Pokémon Go la nuit et tu te perds, et ben voilà, grâce à moi, tu fais ça et je sais pas ce que ça fait. Et vous pouvez brancher 4 ports USB, donc c'est une batterie de ouf, franchement elle est vraiment pas mal. Pour participer au concours, c'est super simple, lien dans la description. Toujours prendre un Hollywood avant de reparler à son ex. Elle a très mauvais souvenir de vous. Donc elle pourrait dire que vous puez de la gueule. Si vous aimez et il y a plus de 5000 likes sur cette vidéo, je refais la même chose mais avec ma copine cette fois-ci. Et là l'enjeu il est beaucoup plus compliqué. C'est soit je suis célibataire et je dors tout seul et voilà, c'est, vous avez compris la suite. Donc on s'est reparlé tout à l'heure, c'était plutôt pas mal. Non, en fait ça puait la merde. Le challenge avant de terminer cette vidéo les potos, c'est que celle qui me met un cœur avant de finir cette vidéo, c'est à elle de me mettre le premier cœur. Si elle me met le premier, j'ai tout gagné. Et si elle m'en met pas, bah, j'ai rien perdu. Par contre c'est une blonde. Et comme elle est sous alcool H24, je sais pas si elle va me comprendre en fait. Par contre elle est pas connectée en fait. Ah, la vue. Ouf. Dans le bus et toi. T'es dans le bus, ok. Là va falloir cogiter. Néosio, réveille-toi. Finis les conneries. Là, je sais pas si j'ai les couilles de sortir ça en fait. Je me suis noyé dans ton regard en plongeant dans ton sourire. C'est parti. Ouf. Elle a vu un peu rapidement quand même. Qu'est-ce qu'elle va me raconter? Elle écrit un livre ou quoi? Bon, j'avoue que y a pas trop de rapport. Hein. Je suis dans le bus et toi. Je me suis noyé dans ton regard en plongeant dans ton sourire. Ça fait 2 minutes de vidéo, j'attaque. Et la batterie ça coûte cher hein, quand même. Elle croit, je discute avec elle, non, je nique de la batterie. Qu'est-ce qu'on haïe comme c'était bon à l'ancienne. J'aime, t'aime. Normalement elle est blonde, ça doit passer. Donc elle va me redire quoi? Hein? Quoi? C'est la discussion du jour. Elle a mis 3 petits points. Donc là je sais pas quoi vous dire en fait. Soit c'est 3 petits points, je l'ai touché en plein cœur, ou soit... Non, j'allais dire une connerie, je dis rien. On va voir ce qu'elle va me répondre quand même. Elle va pas finir par 3 petits points. Eh, ma bite. C'est toi qui as tout niqué. En fait c'est un mauvais bail cette vidéo. J'ai rien fait, je vous promets que j'ai rien fait. Je suis gentil, là elle est pas prête. Le cœur à la fin de la vidéo je l'aurai. C'est parti, on envoie. Merci Max Boubile, t'es un bon. Puis elle est dans le bus en fait, donc elle est déjà assise je pense. Sauf si c'est une pigeonne et elle a pas de place. T'as bu ou quoi? Elle a mis un smiley les potos. Je suis bientôt dans la cible. La cible c'est son cœur. Hein. Commencez pas à faire des... Là j'ai quelque chose de cool. On va aller sortir le refrain de Ademo et Nos. Vous allez kiffer. Tais-toi, juste un moment. Là elle va m'insulter, c'est obligé. T'as bu ou quoi? Tais-toi juste un moment, oulala. Là j'ai touché à quelque chose de très explicite. Tu joues à quoi? Vas-y, je vais manger. Non, 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 reste là. Oui. Je joue à rien du tout. À rien. Je joue à Pranks. Non, non, non. Bon, non, 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 c'est moi. Du Mister You, les potos. Elle va tomber, c'est obligé. J'ai envie de te prendre dans mes bras. J'ai envie de te serrer si fort. Et ouais, elle aura même plus envie de manger. Ou elle aura peut-être envie de me serrer elle aussi. C'est bizarre en fait. Si elle me serre, c'est que... Oh, elle a mis un smiley. Merde, merde, j'ai mis un pouce, putain. Comment on enlève? Et oh, genre le pouce là, ça veut dire vas-y, je m'en bats les couilles. Bon bah mettez un like alors, c'est pareil. Ok, on fait appel à Johnny Hallyday les potos. Mon atout favori c'est Johnny Hallyday. Là je vous promets qu'à la fin j'ai le numéro pour vous. Parce qu'en fait vous voulez tous le numéro de ma soeur. Mais là je peux vous passer son numéro, elle, y'a pas de souci. Donc c'est parti du Johnny Hallyday. Oh oh, doucement mon frère. Il a failli me cramer. On va faire ça comme as. On va lui mettre un smiley. Merci Johnny Hallyday, je te remercie mon pote, je te revaudrai ça. Elle va se dire il veut quoi lui? Tu fais quoi demain? Oh.
Là par contre elle va un peu trop vite. J'ai une copine quand même derrière. T'as moyen, j'ai un rencard en fait demain. C'est pas mal de faire des vidéos. C'est cool. On devrait en faire plus souvent. Je vous donne plus son numéro, c'est mort. Là les potos, je suis sur l'arme imparable. Si avec cette phrase elle tombe pas, franchement là elle va kiffer là, surtout une blonde. Avec moi je t'emmènerai au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible. Eh hey, je suis chaud. J'ai reçu un message de ma copine. Les choses sérieuses reviennent, la vie revient. PTZ, je connais. Oh non! Ça va, t'es toujours aussi drôle. Ah, un petit compliment quand même, je suis marrant. Fallait le savoir, Mister You, y'a que les blondes qui s'écoutent ça. On va sortir une petite blagounette comme je suis drôle. Tout le monde y passe, personne ne reste. T'es un téton mâchouillé que personne ne laisse. Merci, Booba. Je sais pas comment elle va le prendre en fait. Bon, bah, en attendant, je vais changer la couleur. On va devenir un petit peu plus gay. Oh, c'est mignon. Oh, elle m'appelle. Eh, hey, je rigole, hein, t'as pas les tétons mâchouillés. C'était pour rigoler, putain, merde. Je suis aux toilettes. Désolé, je réponds pas, je suis aux toilettes. Je suis en train de chier. Non, c'est pas bon délire du tout, ça. T'as pas changé, toi, vas-y, dégage. Putain, je suis le seul qui fait un lyrics pranks et qui se fait clasher. Franchement, je ne mérite pas ça. Et le pire, c'est qu'elle a mis un smiley clin d'œil. Clic ! Elle met sa fierté de côté, non ? Non ? Au début, c'était marrant. Au début, pas à la fin. Elle nous fait des rires, tac. Vas-y, ciao, tu m'as saoulé. Shut up. Et elle a vu rapide quand même, là. Là, je vois la pression. Ça se voit, elle est énervée. J'aime bien finir les vidéos par des petites blagues. Et là, elle me répond plus, en fait. Par contre, je le fais pas avec ma meuf. Je vais la perdre. Et là, c'est pas pareil du tout. Là, à midi, mon petit pain au chocolat, je vais le manger solo. Ça, c'est pas bien. Bon, je sors ma blague quand même. À quoi sert un préservatif pour une blonde? Répondez en commentaire, mettez pause et je vous attends. Vas-y, je m'en tape, je crois en aller se voir comme avant. De toute façon, tu niques toujours tout. Je sors toujours ma blague ou je la sors plus? Je la sors. On rigole toujours avant le sexe. Non, c'est pas ce que je voulais dire. À garder les restes pour plus tard. C'est bon, c'était une blague, hein. Bon, après, j'avoue, il n'y a pas de réponse, mais elle peut me répondre quand même. Comment j'écris? Elle m'a bloqué! Non! Bon, bah, les potos, je crois que j'ai perdu une pote. J'ai perdu ma sex friends. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend.